I'll tell you what, that guy is such a good sport. You meet me after the show, I'll buy you a beer. No, we're not going to kiss. We're going to just buy a beer. And I'm going to buy this whole Lejeune clan a beer, too. That's good, huh? All right. That other guy from Hampshire, where you at? Come join us, too. Oh! Ils ont tout brassé l'affaire. Courtney sur le violon. Lui, il a donné son violon pour un accordéon. Qu'est-ce que Jesse fait après jouer le guitare? You stayed pat. Jude stayed pat. Please welcome Mr. Jesse Leger and his friends again. Anytime. Tu peux arriver à cette affaire-là? Tu peux arriver là-bas, en haut? Peux écouter la musique? Peux écouter la musique à M. Jesse Leger et Ed Poulard, leurs amis? Et qu'est-ce que on va aller à cette heure? The Lake Charles Playboys Two-Step? Or the Lake Charles Two-Step? The Lake Charles Two-Step. Good. Thank you.
Tout step de Lac Charles. C'est Ed Poulard sur l'accordéon à cette heure. Jesse a déménagé de là-bas sur la guitare. Courtney sur le violon. Yep. I don't get some juice. Now, belle valse, Ed. La branche du mûrier. Yeah, that's good. I'm going to tell, there's some people visiting who might enjoy this story. It was made by Angelas Lejeune that we were just talking about from Pointe Noire, those people that were here. And tells the story about a woman who left her husband, and that was bad enough. But when she left, she also cut the branch of the mulberry tree that was hanging in front of the porch so that every afternoon when he would see her walking by and not coming home, he was sitting on the porch, he would see her walking by and not coming home, and hurt him again. That's a cruel woman, huh? Huh? She was mad. She was mad. Now, you know, maybe he did something to deserve that. We don't know. But it would be hard to imagine what would deserve that. But Angelas and Ira sure told us that story. La Branche du Mûrier. Thank you.
Yeah. La Branche du Mûrier. A song your daddy used to play, and it's what? Like a, just two-step old song. Does Courtney know it? I think so. Hang on, Courtney. Just jump on and hang on. Do what you can. Ed connaît pas le nom de la chanson qu'il joue, mais c'est une chanson de son père qui son père jouait, et c'est un petit two-step qui fait moyen comme ça, là. Qui fait comme rack, hein? Le deuxième financier, all right? Job, Lala, quelque chose qui n'a pas de nom. The no name, two step. No name, no blame. All right. C'est pas une légion de poulard, two step. Dernière vingt affaire qu'on jouait, on était au camp, on collait la galerie, on jouait de la musique. Il arrivait à two step, il a oublié le nom. Quoi c'était ça? Il dit John Poulard, two step. Non, il dit, we just played. Il dit, yeah, but this is number three. Fait, ils ont run out de numéro, ça fait, ça c'est Ed Poulard, numéro un. Ed Poulard, numéro un. Je ne sais pas du nom, lui non plus. Hein. All right. Belle valse. That's your last one. Oh, what, are you upset? My last one. Johnny can't dance. Okay, that's good. That's a good waltz. Don't try that out there. Vase à deux tons.
J'en ai, pour pas danser. Mais aussi peu. Yeah. C'est Ed Poulard, pour faire un magnifique job sur l'accordéon. Va y avoir un handoff à cette heure. Chinese fire drill. Everybody change. En espérant, je vais vous annoncer que la semaine qui vient, le 15 de novembre, un groupe qui s'appelle Acadien va être préjoué ici, et aussi Jambalaya, Terry Huval et Reggie Mott et compagnie. Jambalaya va être ici la semaine qui vient. Et le 22 de novembre, dans deux semaines, Jesse Brown et Choupic et M. Johnny Saunier, Cajun Heritage. Et trois samedis d'ici, le 29 de novembre, M. Fred Charlotte, Acadien et Cajuns, et Rafa Debar, et l'Acadian Aces. Là. Yeah. On a un request. Hein? Deux ou trois personnes qui ont crié pour les mémoires de mon cœur, si tu chantes toujours ça. Hein? Si tu veux. On a le temps. Yep. Là, tu veux.
Chanson classique, c'est Jesse Léger, Mémoire de mon cœur. On attend pour deux autres chansons. Allons jouer la valse de Guédon à cette heure, puis on va finir avec A Two Step. Okay. That's all right? Yeah. Je voudrais une petite chance annoncer vendredi qui vient, et sera, on va jouer, c'est The Eyes d'être là à Timamou. À Timamou, là. The Eyes Restaurant. Vendredi, ouais, vendredi prochain, là. Samedi qui vient, samedi soir, on sera au VFW sur Country Club Road au Lac Charles. Pour les autres balles. RC vient encore dans le groupe à soir avec nous autres. Ça n'a pas été arrangé, c'était moyen, moi j'ai arrangé la course pour à soir, mais samedi qui vient, il sera avec nous autres au VFW au Lac Charles. On va savoir un autre temps, là. Vendredi soir, c'est D.I. Vendredi, c'est D.I. Mais pas cette danse ici pour maman, mais c'est des soeurs de la famille là, là. On a pu avoir quelqu'un qui a célébré 51 années de mariage, on m'a dit. Odile et Mary Robin. Et 51 ans. Et je peux vous dire quoi c'est qui les a inspirés de se marier. Moi, j'ai été né en 51, vous avez été mariés en 52. Quand ils ont vu le joli bébé qui était possible, hein? Ils ont décidé, well, babe, allons se marier, on va essayer nous autres aussi. Happy anniversary to vous autres. Va vous jouer cette chanson, Vals de Guédon. All right. Et notre joueur de guitare, pour les Southern Ramblers, Little Hanks, que vous le connaissez, il est bien malade. Il est à Houston, là, on va jouer cette danse. Il va avoir un les tapes. Gardez dans ses prières. Il est bien malade. On souhaite le meilleur, mais ça va pour Little aussi. Bon monde qui est ici ce soir. Bien, merci pour venir. Let's